m'appelle Chantal Parvy, je suis IBOD, cadre supérieur de santé, et je gère la partie non-anesthésie au bloc opératoire polyvalent du centre hospitalier de Haguenau. Au niveau du bloc opératoire, nous accueillons des patients selon deux types d'hospitalisation. Il y a l'hospitalisation classique où le patient arrive en général la veille, est opéré chez nous le lendemain et reste quelques jours dans un service, dans une unité de soins. Et puis il y a la deuxième forme d'hospitalisation qui est la chirurgie ambulatoire, qui consiste à accueillir le patient le matin même de l'intervention avec un horaire fixé au plus près de sa prise en charge au niveau du bloc opératoire et avec sortie le même jour. Nous faisons partie du circuit et de ce travail en équipe au sein de l'hôpital, puisque nous, au niveau de la prise en charge au bloc opératoire, sommes un élément de cette grande chaîne. Une des spécialités chirurgicales où nous réalisons le plus de prises en charge spécifiques et où ça a évolué, où l'activité a vraiment évolué ces derniers mois, c'est la chirurgie orthopédique. Il nous arrive d'avoir sur une journée opératoire jusqu'à 8 patients à opérer selon ce mode d'hospitalisation, et dont souvent plusieurs patients qui viennent pour des poses de prothèses, que ce soit des prothèses totales de hanches ou des prothèses totales de genoux, mais aussi pour des interventions plus courantes du genre ablation de matériel, canal carpien ou autre, ou arthroscopie. Voilà.